Allô, oui, bonjour, Happy Supreme Master First Class, comme vous pouvez le voir ici, nouveau rang de ouf. Download Evidence, c'est parti, raconte pas ta vie, c'est parti, on fait l'Overwatch aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est genre je fais un truc tous les jours et aujourd'hui c'est Overwatch. Alors déjà, tu fais pas un truc tous les jours, et deuxièmement, tu fais que des Overwatch. Merci. Ah, lui, il a été report et il perd 10$. Donc là, c'est le mec, il est un peu au fond, quoi, tu vois. Il était blanc, donc il n'y a pas de no-flash. Eh lol, il n'y a jamais de no-flash. Si, bien sûr, des fois, j'ai déjà vu, moi, dans des Overwatch, il y a des no-flash. Alors, fermez vos gueules. Merci. Très bien. Ah ah, that pro smoke ever. Ouh, il a pris les douilles, lui, mon pote. Il a force buy en plus. Il passe en sneaky sur le côté et lui met la tête. Oh my god, mais c'est magical. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Il attend le deuxième. Est-ce que c'est la pif paf puf? Oh là là, deux pocs, c'est parti. Enfin, un poc plus une balle dans le corps. Il se retrouve en 3v2, 10 HP et 100 HP, 2v2, c'est passé sur BPB, la bombe va planter. Attention, l'autre il sort, l'autre est en train de planter, l'autre il sort. Ah, oh oui, first kill le dernier. Est-ce qu'il va flasher? Non, il ne flashera pas, flash de merde. De toute façon, c'est son pote qui l'a eu. C'est son pote qui l'a eu. Donc, je me suis un peu excité à nouilles pour pas grand chose. Mais c'est pas grave. Il y avait une flash là par terre. T'aurais pu la récupérer, espèce de blaireau. Ok. Donc il a mis deux pocs. C'était beau. Oh la cheveux dans les dents. L'autre il a perdu 50. La face. 51 même. That flash, bro. Il y a un peu de niveau là quand même. Je vois que les flashs sont pas mises n'importe comment. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, ça molotov. Donc là, ils sont pas trop bien, les CT. C'est une 3v5. Mais ça pourrait vite se retourner parce qu'il y a 3 WHP en face. Attends, parce qu'il faut que je regarde en même temps. Je sais pas faire deux choses en même temps. Ils prennent des petites lignes et tout. Ouh là là. Ouh là là. Là, il y a du skill, attention. Est-ce qu'il y a un IM bot ou pas? C'est ça la question. Parce que maintenant les IM bots sont configurables. Tu sais, tu peux dire IM bot dans la tête, IM bot dans les pieds. Bon, IM bot dans les pieds, ça. Mais IM bot dans le corps, par exemple, tu vois. Et ça, c'est relativement intéressant. Mais là, bien. Il y a un peu de niveau dans cette game. Il va siquer le frag mid, je sais pas si c'est la meilleure solution, faut peut-être qu'il attende son pote lower en même temps. Là c'est dommage parce qu'il aurait continué à bait mid, c'est-à-dire à essayer de prendre le kill sans le prendre vraiment, tu vois ce que je veux dire. Et son pote serait arrivé lower, boum boum, bon ils ont mis le round quand même, GG quoi. Ah là il se fait insulter là, ou alors, soit il se fait insulter, soit il règle un peu son shit. Ou alors sa mère est arrivée dans sa chambre et elle dit oh FDP. Je pense pas qu'elle ait dit FDP parce que ça arrangerait pas vraiment sa mère. Mais... Enfin bref, ça n'a aucun sens ce que je dis. Hein. Enfin... Voilà, cette petite flash refaite là, voilà en matchmaking, vous pouvez la refaire, regardez, ça a blanchi tout le monde. Et comme elle a été relativement effective, il va ressortir avec cette même flash et faire un kill. GG quoi. Juste GG. Du coup, je vais boire mon café tranquillement le temps que ça passe. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Ça y est, arrêtez de commenter maintenant, c'est moi qui fais. C'est une smoke, mais bien sûr que c'est une smoke, enfin. Crétin. Bien sûr, c'était visible à 100 mètres. Oh là là là. Ouais, par contre, pour la flash, tu te retournes pas. Hein. Pourtant, elle a eu le même ricochet, exactement. Et toi, non, oh non, je retourne pas, oh là là. Alors, que se passe-t-il? Il est reparti mid, hein, sinon. Donc, il n'y a pas de Valhack, hein, apparemment.
des plus longues. Moi, je serais resté dans le pit comme une schlag. Et bah, short. Hein. Il était short, je crois bien. Je crois que son pote lui a décalqué les fesses, c'est pour ça. Que le round, c'est fini. Voilà, voilà. Donc voilà, là, c'est le moment où il fait l'amour à la caisse. Allez, ça arrive speed. Il l'a vu normalement passer à la porte, là. Nous, on a le X-ray, mais lui, il a dû le voir à travers. Entre les battements de porte, quoi. Oh, vous comprenez rien aujourd'hui, vous êtes complètement con. HE relativement moisi, puisqu'elle ne lui a envie que 17. Alors maintenant, faut pick up la bombe et go poser. Le last est mid pour en B. Oulala, passez. Passer devant la double porte comme ça sans sauter, c'est osé, disons. Attention, c'est le 1v2. Ils étaient en écho en plus, les Théo. C'est ouf, hein. C'est fou ce que je vous dis là. Bon, il l'a pas touché, très clairement. C'est l'autre qui a fait tout le taf. Très bien. Du coup, ils avaient pas de stuff en face non plus. Quand ça, ils échoent ensemble, les mecs. Ils tiennent la team d'en face à l'écho, bah nous aussi. Ouais, non, c'est une bonne idée. Enfin, non, pas du tout. Pas du tout une bonne idée. Ah ouais, donc là, s'il y a un fast short, t'es juste merguez, quoi. Ok, donc des HE comme ça, à demain. Quoi. Non, mais je suis un peu taquin, mais j'en rate aussi. Oulala. Ça passe sur le VPA, ça passe sur le VPA, il est peut-être derrière la caisse, c'est loose, non, personne loose, il pose. Alors pourquoi tu poses là, puisque la longue est free? Autant poser longue. Ah mais non, mais en fait c'était le GR. Ah mais je suis con comme un balai, tiens. En fait c'était le Gunrun, c'est pour ça, et je lui dis, tiens, ils échouent ensemble, mais non, pas du tout, silence. Donc là c'est encore une écho. Ils avaient peut-être force buy vu qu'il avait 5-7, lui je ne sais pas. Non, ils n'avaient pas force buy en face. Il y avait un qui avait acheté un peu, mais il n'avait pas de force buy. Voilà, donc ça a flashé, ça smoke mid to B. Ça a pris le lower déjà, ça a pris l'info en B qu'il n'y avait rien. Ah voilà, il s'est fait merguez par le lower. C'est l'inconvénient quand ça se split pas sur la map, vous voyez. Vous venez de gagner le GR, il faut que ça se... Enfin, je pense, après je suis pas un top non plus, mais... Je pense qu'il faut que ça se split sur la map pour... Ils vont forcément rusher, parce que il faut qu'ils soient au contact avec leurs armes pour faire des kills. Donc, forcément. Oh la blanche, c'est son pote qui lui met la blanche. Oh là là, c'est moche. Ah, j'ai envie de pleurer, là. Non. C'est pas possible. Ça rush le B. Ah, la flash est mauvaise. Voiture. Voilà, ça sert à rien, t'entends pas mes infos. Je fais ce que je veux. Il était pas blanc, le mec en face. Et il y en a au-dessus, blanc pas bleu. Oh là là là. Mec ballsy. Oh là là là, je suis une place à rader. J'ai pas dit des couilles. Je fais ce que je veux. Là, ça flash, ça sur... Les flashs, ils les prennent pas en face. Elles arrivent beaucoup trop loin. Ils voient la gueule de la WAP qui dépasse. Boum! Voilà, c'est ça qu'il faut faire pour prendre la défaite. Oh là là, c'est moche, j'ai envie de pleurer. My good. GG, bah non, y'a rien. Hein. Apparemment, zéro. Quoi. Il a fait une bonne action tout à l'heure au mid, mais franchement, y'a rien. Franchement, y'a rien. Il a peut-être été report pour griefing tout à l'heure quand il était AFK dans le mid là, et que l'autre a rushé mid, le CT a rushé mid. Mais sinon rien de plus, voilà, merci, bonne année, bonne santé, jouissance tardive, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager cette vidéo. Merci beaucoup.